La Garenne a toujours autant besoin de bras pour cultiver ses terres. Albert et Marie ont gagé leur fils Robert après son mariage avec Paulette, ce 10 juin, en pleine saison des foins. Au parfum des matins et soirs d'été, Robert fait le chemin du Plénit à la Garenne en passant par les sous-bois de la Faucherie, où la nature resplendit de ses couleurs étincelantes. Rayons de lumière sur la brume des prairies, animé par ces milliers de lapins courant dans tous les sens au travers des troupeaux en éveil. À l'approche du château de la Motte aux Gentilshommes, perchés aux cimes des cèdres, tilleuls, futaies de chênes, les oiseaux disputent leur territoire où roucoule leur chant de séduction. Les filles des messieurs ou belles demoiselles, dans leurs vertiges de dentelle, ne sont pas encore éveillées. Alors que Lucie, aux cuisines du château, s'active au milieu de ses casseroles pour le petit déjeuner de ces messieurs-dames, tout en saluant Robert au passage, qui lui se fait discret en passant devant le château. De plus, le curé Farou a été invité pour le déjeuner et la table du château a bonne réputation, alors Lucie n'a pas de temps à perdre. Les foins, la plantation des betteraves, ensuite les choux, les premières javelles. Les journées sont bien remplies et Robert reprend le vélo au soir pour retrouver sa Paulette au Plénit. Mais là, au couchant des douces soirées d'été, il est attendu avec impatience par les ados du village que Robert a appris à jouer à la belote. Puis c'est là qu'il a appris à jouer aux cartes, André, puis Michel, et puis Gilles, le filleux, puis là, ouais, tous les soirs, le matin Lyon. Paul, aidé d'André et Michel, ont rentré les moissons sur la cour du paillé. Marie et Paulette sont fin prêtes pour restaurer les 25 bons hommes pour la batterie. La machine est dans la cour, les mécanos l'ont bien graissée et équilibrée. 5 heures. Les premiers gars arrivent. Un café, un coup de gnôle. Paul donne ses instructions et c'est parti pour la matinée. Dans quelques jours, il en sera de même à la Garenne. Ensuite, Robert et Paulette vont entreprendre le voyage que Marie et Paul leur ont offert pour leur mariage. C'est la première fois que vous voyagez, alors. Ah ben oui, oui. Mais pour cette fois, au voyage à Lourdes, il y avait Michel Audurier, il y avait Louisette, il y avait Jacqueline Barrault et il y avait Maurice Gaillard. Paulette, très pratiquante, est aux anges, en communion parfaite avec sa croyance. Robert, de son côté, découvre avec intérêt l'agriculture de montagne, bien différente de sa Gâtine. Voyage surprenant aux paysages grandioses de Gavarnie au lac de Gaube, les jeunes mariés fougueux en ces lieux se laissent aller pour construire l'avenir. Donc, 9 mois plus tard, bah, c'est moi qui arrive. Oui, oui. Il y avait une coïncidence. Donc, on suppose que tu as été créé à Lourdes. Eh oui, c'est pas ça. Dans le temps, dans notre temps, on était courant, quand tu te mariais, l'année d'après, les rues, s'il y avait de la famille. Ça,
C'était presque tout le monde pareil. Hein. Oui. Et après, l'année d'après, papa avait dit comme ça, « Oh, mais ça, il ne recommencerait plus à marier un de mes enfants au mois de juin. » Et l'année d'après, il a fallu qu'il recommence le 16 juin, de marier Louisette. Tiens, l'année-là, eh bien, alors Raymond s'est trouvé chez nous, puis moi, il était au Plénier, alors il a fait des journées comme ça, ce qu'il trouvait, à faire des journées de batterie, il était au château, de la chapelle Bertrand, faire les moissons, tout ça, là. Mais alors, il a été pendant 3 mois, eh bien, que Raymond et moi, on arrivait qu'ils étions tous les deux à la guerre. Papa avait acheté 25 brebis. Et puis on était mis sur le bail qu'il ne devait n'avoir que 20. Mmh. Et puis papa avait dit à Monsieur Jacques, il y en a 25 d'achetés, puis ils resteront. Et puis après, bon, mais la famille Rougeon a décidé de laisser la ferme. Et puis... la Fronde Avenue, le père Rougeon au printemps annonce ça au Brun. Marcel était célibataire. Oui. Puis il avait voulu prendre la ferme à moitié avec un de ses frères, avec Hervé, le ouais. Père à Daniel. Oui. Puis ma tante n'a jamais voulu prendre ça à moitié. Elle était arriérée d'abord, puis non. Elle a été dans sa ferme, elle avait une petite ferme, elle a été dans sa ferme. Et puis Aubrin avait parlé à papa, et Aubrin avait dit on ne sait pas ce qu'on voulait en faire, parce que les moutons étaient énormément chers. Nous voulions reprendre la ferme de la Ferronne pour mettre un mouton, et puis il a dit j'aurais peut-être besoin de Robert. Et puis papa avait dit à l'occasion. Et il y avait un moment où il avait fallu prendre une décision. Bon, mais il cherchait surtout à trouver quelque chose. Bon, avant, il avait trouvé une autre broderie, on était à Panifleury. Et puis papa m'en avait parlé. Puis on faisait qu'une dizaine d'hectares. Moi, on ne me plaisait pas trop. Mais à ce moment, on n'aurait pas fallu grand-chose pour m'envoyer et plutôt travailler chez nous d'ailleurs. Elle a dit, mais on ne sait pas encore ce qu'on va faire, où sont la loupe. Eh bien, si on vous la louez, il a dit papa, vous nous la réservez. Et puis, c'est... bon, puis alors, comme on le connaissait, et puis ma foi, ils sont décidés à la louer. Puis, elle est comme ça qu'ils sont venus à la Fronde en 1953. Il n'y avait pas le premier argent. Tu connaissais déjà la ferme. Oh ben non, il connaissait par cœur. Il y avait des galopés dessus des années, galopés les lapins. Bon, vous allez coubler avec la garenne pour avoir du matériel, comment ça se passe? Ah ben si. Mais oui, ben, elle était le gros avantage. Parce que papa aussi il m'avait fourni un couple de génisses. Et puis après, bon, il y avait droit à près de 700 000 francs à l'époque. Alors, 700 000 francs, grosso modo, ça te payait 10 vaches. Hein, Chez toi, la convention se modernisait, ils avaient fait faire un petit plateau. Et puis, c'est le tronc tombereau qui ont emmené avec les bœufs. Puis, tu sais, bon, ils ont venu, comme on dit, ça, avec le tombereau, puis les bœufs, puis le tronc bricole dedans, puis trois chaises, puis des machins. Je me souviens que mamie, quand on est arrivé là-bas, elle avait fait un petit bol de rillon, comme ça, puis on mangeait au soir. Maurice et Pierre secondent Emmanuel avec Irène sur la ferme, qui a retrouvé des bras pour de grands projets. Le grand-père François Robert était revenu à la foire en 1940.
avec sa plus belle vache parthenaise, issue de sa sélection. Il n'a pas tardé à transmettre ce savoir-faire à son gendre Emmanuel, ainsi qu'à Maurice et Pierre, qui la transmettront à leurs enfants, et de sélection en sélection, un jour, qui sait. J'allais là, il m'a rentré en 53, il était à voir là-bas avec papa, il a acheté 4 auvergnats pour 81 000, pour le moment. Puis encore, il n'y avait plus un sou dans ma bourse, et puis on manquait pour... et tout, des poussières là-bas, et puis le gars avant ne voulait pas me les donner. Puis papa m'a dit, ah, devant l'église de voile, devant la porte là, de voile, l'église de voile. Et puis papa m'a dit, mais te feras même mieux de les prendre quand même. Puis il dit, papa, mais vous les bien, mais il dit, j'ai pas l'argent, puis il n'est pas. Et puis il dit au gars, mesdames, si vous voulez les mettre, parce qu'à ce moment-là, on ramenait les bêtes de voile jusqu'à la ferme, on appartenait à pied. Oh ben on était 10, une dizaine, t'en avais de partout, t'en avais de Saint-Martin, t'en avais partout. Il y avait tout de suite 50 à 100 bêtes sur la route. Parce que tout le monde mettait ses bêtes ensemble, puis on les triait au fur et à mesure. Si c'était sur Saint-Martin, si c'était sur la chapelle, moi on était là. Et puis c'était un nommé Vidal, ce marchand. Et puis il dit, si vous voulez les donner, vous les envoyez là. Parce que moi, j'ai dit, je ne peux pas. J'ai plus rien. Et puis il n'y avait plus rien à la maison. 4 auvergnats. Pour 81 000, pour un ancien franc, 20 500 qu'on faisait. Et puis, l'année d'après, il les avait engraissés, il les vendait déjà 308 000 à Fumeron. Il les avait payés 80 000, même pas un an et demi avant. Je ne peux pas croire, on a mis beaucoup de monde dessus les rangs. Hein. Ce n'était pas les années 36-37, c'était le contraire. À la Garenne, Louisette et Raymond sont heureux de vous présenter leur petite fille, Monique. Louisette, Henri, Monique travaille sur l'exploitation avec Albert et Marie. Pour les grands travaux d'été, on s'entraide avec Robert à la Ferronne, secondé d'un ouvrier agricole, et comme les deux fermes se touchent, cela a de grands avantages. Denise apprend le métier de couturière, avant de rencontrer Jean Gaillard de la petite Porée de Soret, le cousin de Paulette. Monique, de son côté, fréquente Hervé Boutineau de la Chapelle Bertrand. Les rencontres se font dans un périmètre limité, de commune à commune. Et voilà qu'on reparle de mariage à la Garenne. Mais cette fois, les deux filles se marieront le même jour. Après les mariés, on en profite pour photographier Michel, la petite dernière, dans sa robe de princesse. Tout a commencé par cette nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, baptisée la Toussaint Rouge. Des nationalistes algériens organisent alors 70 attentats. Les Félagas annoncent par là même la création du FLN, mouvement politique partisan de l'indépendance de l'Algérie, et celle d'une armée, l'Armée de Libération Nationale, luttant pour obtenir cette indépendance. La guerre est surtout due au refus des gouvernements français de remettre en cause les profondes inégalités civiles, politiques et économiques entre les populations d'origine européenne installées depuis 1830 et la population arabo-berbère de religion musulmane.
L'armée française qui vient d'être battue en Indochine est transférée en Algérie pour participer au maintien de l'ordre, occupant les villes, les campagnes et interdisant les actions des rebelles. Les gouvernements français d'Edgar Faure et de Guy Mollet font appel aux jeunes conscrits accomplissant leur service militaire obligatoire. On va les maintenir ou les rappeler sous les drapeaux au-delà même du temps légal. Cette guerre qui n'en a pas officiellement le nom va donner lieu de part et d'autre à des actions de violence extrême. Torture, exécution sommaire, égorgement, mutilation. Et s'y ajoutent les actions militaires, combats, bombardements, contrôle du terrain. Un malaise profond s'installe dans la population par le maintien sous les drapeaux de ces jeunes gens et l'effet dévastateur des récits, des combats qu'ils nous racontent à l'occasion de leur retour chez eux, lors des permissions ou de leur libération. Denise est revenue à la Garenne, quelque temps avec son fils Jean-Claude, alors que Jean a été rappelé en Algérie. Et c'est Bernard qui remplace Henri sur la ferme. Jean-Claude fait ce qu'il peut pour aider, et cela depuis de nombreuses années, comme ses frères et sœurs auparavant. La petite Monique, juchée sur le dos de Coco, fait la fierté de son grand-père Albert, qui a pris le temps de poser pour la photo. Il manque plus que son cousin. Les deux inséparables. Jean-Michel à la Ferronne comble le temps, des grandes solitudes dans ses fermes isolées. On s'invente des jeux, avec rien. On construit des ouvrages dans les fossés où tournent les moulins de bois. Les grandes familles sont moins nombreuses et les enfants seuls dans la nature s'ennuient ou s'inspirent de sa beauté, de ce monde végétal, avec l'immensité qui l'entoure, où la ligne d'horizon est le bout du monde. L'hiver 56, ouais. Les blés vont geler. Ça pourrait, là, on a tout gelé, tout gelé. Oh là là, quelle tranche. Quelle tranche. Mais alors, voilà, on me faisait un froid. Le printemps adoucit l'hiver. On ressème des orges sur les champs de blé fauchés par le froid. La nature redonne espoir. Elle compense son retard et de nouveau, les travaux des champs ne laissent plus guère de temps. Et voilà que l'on me rappelle de mon monde imaginaire, perdu au bout de mes rêves, pour donner un petit coup de main à la participation des tâches du jour. Très vite, j'allais prendre mon indépendance, enfourcher mon vélo, passer devant le château, le bois de la Faucherie, et me retrouver chez ma mamie au Plénic, où là, il y avait Francis, Jeannot, Daniel et les autres. À la Garenne, il y a Monique, Michel et Jean-Claude, beaucoup plus grands, mais qui nous a promis de nous faire un radeau sur l'étang. Cousins, cousines, ensemble, nous échafaudons tous les jeux possibles sortis de notre imagination. Avec quelques morceaux de bois, un peu d'argile et de sable, nous façonnons notre temps. Et puis, un matin, alors que je dormais à la Garenne, mon papa est tout heureux d'annoncer la venue d'une petite sœur, Chantal. Arrivé par le train ce matin, enfin... Oui, mais elle ne sait pas qu'elle a un grand frère. Alors c'est peut-être encore temps de cacher le peu que je possède. Qui sait? Quelle déception. C'est bien trop petit pour partager mes projets, mes jeux, et je reste toujours aussi seul au milieu de nulle part. Alors, plus d'hésitation, ça sera la Garenne avec Kikette, ma cousine, enfin Monique, et chez ma mamie, au village du Plénit, là, il y a d'autres enfants, plus grands que moi, avec plein d'imagination. 15 septembre. Les vacances sont terminées. Retour à l'école de la Pérate. 6,5 km, matin et soir, sur nos petits vélos, par tous les temps.
sur la nationale, de tous les dangers. Avec les convois américains qui roulent à vive allure en direction de Poitiers et qui parfois nous font chavirer dans le fossé. Arrivé au bourg, sur la place de l'ancien cimetière, entre la croix aux Agnières et le monument aux morts, l'école de la République. Apprendre à lire avec Jacqueline, René et Miro. Plus tard, ce sera Tap Tap et Bilili, beaucoup plus passionnant. Il y a bien sûr les lettres, les chiffres, les poids, les mesures, les leçons de choses, la géographie, l'histoire de France, mais aussi les passionnantes histoires de la commune, l'église, la forge à fer, le château de Perret, notre Gâtine. Puis Parthenay, ses remparts, la tour Saint-Jacques, sa rue médiévale, la tour de l'horloge, les marchés depuis la nuit des temps. Voilà un sujet où le fils de paysan se retrouve dans son univers et se laisse emporter dans le tourbillon de l'histoire. Ah, déjà il est l'heure de rentrer. Demain c'est mercredi, jour de marché. La lune reste perchée dans les branches hautes des chênes dénudées sur le pré. Le brouillard dissimule le fond de vallée et les fantômes de brume dansent sur l'étang. Il est 5 heures. Trouble la nuit de voix et d'aguillons. Cours mon drôle ! De barrière en barrière de champs. Où je suis chargé de vérifier si elles sont bien fermées, pour que le troupeau s'avance et reste groupé sur le chemin, les routes pour arriver à Parthenay. Ils viennent de loin, 20 à 30 km à la ronde, et de village en village, le troupeau prend de l'importance pour arriver en ville, place du marché. Ce mercredi-là, mon père va vendre ses 4 bœufs, qu'il a pourtant dressés pour le travail des champs à la ferme. Compagnon, Luron, Cadet, Roussel, ils seront vendus, on ne les verra plus. En 1957, ils les ont vendus tous les 4. 12 000, quand il y a eu payé le tracteur, on devait rester 30 francs. Dans une matinée étant labourée, le deux plus de double avec les bœufs, ne tirions jamais la langue. Le progrès arrive enfin sur la ferme. Les labours d'automne sont effectués en une semaine. Robert, sur son tracteur, suscite bon nombre d'envieux. L'agriculture de Gâtine change en quelques années. Ce grand bouleversement est la cause de la migration d'un grand nombre de jeunes des campagnes qui sont dans l'obligation de chercher du travail en ville ou dans leur proche banlieue. La charrue écorche toujours la terre, mais plus de cris, de chants, de voix et d'aguillons qui annoncent le laboureur. Son heure s'en est allée, se perdent au musée du passé, remplacé par l'assourdissement mécanique du modernisme. Après 27 mois de mobilisation, la classe 54 retrouve sa Gâtine. La quille, enfin. Mais l'horreur du conflit laisse des traumatismes qui hantent les nuits, de cauchemars pour Michel, Henri, Pierre et bien d'autres. En 1958, on rappelle le général de Gaulle au pouvoir, avec la condition de créer une nouvelle constitution, la Ve République.
En Algérie, c'est le fameux « Je vous ai compris !» rassurant les pieds noirs. « Je sais ce qui s'est passé ici !» Mais De Gaulle pense qu'il ne peut pas garder l'Algérie et qu'il faudra négocier avec les rebelles. Au pays, après Maurice et Nicole, Emmanuel et Irène Delafoy vont marier Pierre et Odette Gaillard de la Petite Porée de Sorel, sœurs de Jean et cousines de Paulette. Décidément, les rencontres sont encore liées par la proximité du voisinage de communes et des moyens mobiles de notre époque. Cela risque de changer dans un proche avenir. Le 28 septembre, la 5e République est plébiscitée avec 80% des voix. Le chef du gouvernement n'est plus le président du Conseil, mais le Premier ministre. Après les élections du 21 décembre 1958, Charles de Gaulle a 68 ans. Il succède ainsi à René Coty et devient président de la République française le 8 janvier 1959. Albert investit après le retour d'Henri. Il prend modèle sur son fils Robert de La Ferronne. Les bœufs sont remplacés par le tracteur. Les parents achètent l'indispensable automobile que les enfants de la famille se partagent pour aller à Partenay le mercredi et à la messe le dimanche, voir les sorties en famille. Alors, des bagnoles qui brûlent les 15%. Parce que là, si on vous montre, regardez pas ce que tout le monde dit, on tourne à la messe le dimanche, tant que vous pouvez en tenir dedans, autrement dit, là, des fois on était trois devant ou bien quatre ou cinq derrière. Les dimanches à la Garenne après le repas. Sur la photo, Robert, Raymond, Henri, Hervé, Jean, Jean-Claude et moi. Marie et Albert sont heureux de se retrouver entre leurs petits-enfants Monique, Jean-Michel, Chantal, Jean-Claude, Francis, Michel, Christine, Daniel, cousin, cousine. Et voilà que c'est le mariage d'Henri avec Jeanne de Saint-Aubin-le-Clou. Et c'est l'occasion de nous faire prendre de nouveau en photo en ce joli automne 59. Seulement comme c'est Henri qui fait la ferme avec son père, le couple s'installe à la Garenne. Mais il faut faire de la place dans la maison. Et c'est Louisette et Raymond qui déménagent à la Marletière de Pompère. Cruelle séparation entre Kikette et moi, les complices de toujours. On ne se partagera plus nos jeux, nos projets, comme avant. En cette fin d'année, il nous faut apprendre à soustraire 2 € à notre ancien franc. Ça veut dire que notre caramel à 1 franc va passer à 1 centime chez Léondine. Mais ça devient plus compliqué quand il s'agit de millions. Le tracteur de mon papa, qui a coûté 1 200 000 francs, ne vaut plus que 12 000 nouveaux francs. Que de complications, alors que j'avais tout compris avant. Ce matin, le vent glacial du nord-ouest s'engouffre sous la porte mal jointe et siffle dans le corridor. Maudit vent de galerne, humide et pénétrant, qui me transit de froid sur le chemin de l'école. L'hiver pétrit encore une fois la campagne de Gâtine. Le soleil a disparu depuis si longtemps. La brume a englouti les couleurs. Je grelotte. Il n'y a plus d'espoir. Je me résigne. L'hiver a effacé à tout jamais le souvenir des jours meilleurs. Pourtant, les grands, au soir des fins de semaine, se retrouvent, estimant les bêtes aux écuries comme autrefois. Ensuite, il tape le carton pour finir par une collation bien arrosée. Eux, les grands, ils savent que demain le printemps revient, même s'ils s'accouchent dans la douleur. Mais moi, j'ai vraiment trop froid. Les jeunes conscrits sont toujours retenus sous les drapeaux plusieurs années. À la Garenne, c'est Bernard qui a délaissé les champs pour l'Algérie. Le référendum de janvier 1961 soutient massivement l'autodétermination. Les pieds noirs extrémistes fondent alors l'OAS, une organisation terroriste, qui va
commettre grand nombre d'attentats pour garder l'Algérie française. Après avoir donné la main pour les grands travaux en début d'été, le temps des vacances arrive enfin. Direction le Plénit où je suis attendu. J'enfourche le petit vélo bleu et je suis libre comme le vent, le roi du monde. Mais en passant devant le château, ma modeste condition de fils de paysan me fait redescendre de mon piédestal. Sous les moqueries de la jeune bourgeoisie qui raille mon accoutrement, cela me chagrine sur le chemin du bois de la Faucherie. Mais je me console très vite, car l'existence de ces lieux, la quiétude sous les grands chênes, n'est-elle pas la cause de la noblesse qui a su magnifier cette harmonie dans laquelle je me sens si bien? Et puis qu'à cela ne tienne, je me rattraperai plus tard. Mon insouciance va me faire passer de très belles vacances. Quand je reviens le 15 septembre, c'est la rentrée. À la Féronne, on m'a chargé d'une nouvelle tâche. Et du haut de mes 10 ans et demi, me voilà parti sur des chemins creux, envahis de ronces et d'épines, longeant de l'impressionnante carrière de toutes les peurs et légendes. Sans compter la traversée de la voie ferrée, avec le passage de la Micheline et autres trains, pour ensuite se retrouver dans la vallée du Gerson, sous le viaduc de la Pierre Levée. Et tout cela avec deux chèvres qui n'en font qu'à leur tête, tirant à hue et à dia, partant dans tous les sens pour les amener voir le bouc chez M. Imbert, un longeur. Quelle aventure! Quelle angoisse! Dis maman, je ne connais pas très bien le chemin et j'ai un peu peur tout seul. Mais ça va aller mon grand, on l'a déjà fait une fois. Me voilà rassuré. Enfin, pas du tout. Mars 1962. Les accords d'Évian permettent enfin de régler le problème algérien. Madame Moreau, notre institutrice, fait entrer un radio-transistor au milieu des 36 élèves de notre classe ce 19 mars 1962. Nous sommes témoins de ce moment historique, la fin de la guerre en Algérie. Les combats cessent, mais l'atmosphère de violence est entretenue par l'OAS dès le 23 mars. En assassinant des militaires du contingent à Alger. Cela sera suivi du massacre de la rue d'Isly, où 80 pieds noirs sont tués par l'armée française et par certains éléments du FLN et de l'ANN. Au lieutenant de l'énergie, mon feu ! Cela va conduire la quasi-totalité des pieds noirs à quitter précipitamment l'Algérie. Une grande partie des harkis à qui le gouvernement français refuse l'asile en France sont massacrés par les nationalistes algériens. Le 3 juillet 1962, l'Algérie devient indépendante. Le retour de Bernard annonce le départ de Jean-Claude, qui sera le premier contingent à ne pas partir pour l'Algérie. L'agriculture se modernise. Progressivement, on adapte le matériel tracté par les animaux pour le rendre utile sur le tracteur. Chaque ferme garde quelques chevaux pour intervenir sur les zones humides et d'autres tâches partagées. Le foin va bientôt être en petite botte. Mais pour l'instant, il faut toujours le pousser au fond des granges et fenis. Alors que dans le temps, on n'était pas rien, ça, déjà les gros foins. Puis dans les granges, il y a deux ou trois à pousser le foin, là, qu'on faisait des chaleurs là, juste après la sieste. Sous les ardoises, surtout la carrière. Mais surtout qu'on faisait des journées qui commençaient de bonne heure le matin, qui finissaient très tard le soir. Mais c'était, il y avait le monde. Comme chez nous, dans les granges, eh ben, il y avait le monde pour pousser le foin. Dans le temps, on avait juste une lucarne qui était, puis tu passais le foin à poil là, et puis il fallait le repousser trois fois pour arriver au milieu de la grange. Les plantations de betteraves et choux recouvrent de plus en plus de superficie.
le cheptel va bientôt doubler. La production est en pleine croissance. La conséquence de ce bouleversement du toujours plus de matériel pour aller plus vite est qu'un grand nombre de fils de paysans sont dans l'obligation de quitter la terre sur laquelle ils ont passé leur enfance. Certaines parties des gens partent vers les villes pour travailler chez Hérault, la chaînette des bonnes années. Parmi la CNCF, beaucoup ils vont partir à la SNCF. Donc dans les fermes de 40 hectares, il n'y a plus que deux personnes qui vont travailler. On faisait un peu de tout, d'ailleurs, à la ferme. Oh, mais c'était pas que tout. Il y avait les poules, les poules, les cochons. Mamie, là, tu faisais quoi, toi? Tu faisais tout, les, tout la ferme. Des poules, des dindons. Des porcs, des... C'était oui. Qu'il y avait du travail. Et les chaudières qu'il fallait faire pour voler les cochons. On tirait les vaches, il fallait faire le beurre. Puis on appartenait le mercredi pour vendre le beurre et puis les œufs. Ce matin, 18 février, le ciel est plombé par ce gris opaque et glacial. La campagne est figée, blanche et sombre à la fois. Nuit de galerne, la neige lourde et collante nous rappelle à l'hiver. Et par le fait, je ne ferai pas les 6,5 km pour aller à l'école. Journée de rangement, je monte au grenier pour classer mes prospectus de tracteurs et autres machines agricoles que j'ai récupérées sur les voies exposition. Et tout particulièrement celle du Someca, de mon tonton Michel, du Plénitre. Le grenier ouvert à tout vent et glacial. De la boulite, j'embrase le paysage. Les grands platanes pétrifiés par le froid, les bois du château. Mais de cela ressort une épaisse fumée noire. Je me dis que Albert le jardinier doit faire ses feux de broussailles. Retour à mon classement. Une heure plus tard, la sirène de Parthenay retentit, suivie des autopompes. Puis je vois mon père, tout affolé, qui court sur le chemin, criant à Joseph et à ma mère « Il y a le feu au château !» Dynamité au mois de novembre de la même année, le château de la Motte au Gentilhomme disparaît à jamais, emportant avec lui son histoire, sa noblesse, sa bourgeoisie et une part de mon enfance. Il n'y a plus de château, il y a toujours le sapin, mais il reste encore des histoires à raconter. Bernard, de retour d'Algérie un an auparavant, était venu au bal champêtre voir la guinguette du 15 août de Gourget au bord du Touet. Et là, de rencontrer Christiane, une fille de loin du côté de Saint-Lô. Et le 3 mai 1963,
Albert et Marie réunissent toute la famille pour le mariage de Christiane et Bernard. Samedi 15 juin 1963. Ce matin, ma mère est partie en mobilette pour Parthenay, où il y aura foule. C'est le général de Gaulle, président de la République, qui vient nous rendre visite dans notre guettine. Reçu avec tous les honneurs de la ville, acclamé par la foule, Parthenay vit l'un de ces moments historiques que ma mère ne voulait manquer sous aucun prétexte. 8 jours plus tard, c'est ma grande communion solennelle. Et toute la famille est présente, parrain, marraine, papy, mamie, et des cadeaux, une montre, un chapelet, le livre de messe, un Jésus de Prague en plâtre, une Sainte Vierge en plastique, et quelques pièces pour un appareil photo. Le bonheur. Bon, là c'est du sérieux. Je vais pouvoir être témoin de mon temps. Bien sûr, une caméra 9.5, ça serait le paradis, moi le passionné de cinéma. Mais il faut pas rêver, il n'y a pas assez de pièces. Un appareil photo, c'est déjà extraordinaire. Attendons mercredi. Je ne sais pas si je dois vous raconter la suite. Au retour du marché. Un paquet allongé sur la table entouré de papier Kraft. Et ma mère de déclarer dans sa grande foi, avant que je l'ouvre, « J'ai pensé que ça serait mieux qu'un appareil photo, tu n'avais pas reçu de Christ. » Je suis dégoûté. Et je crois que je lui en veux encore un petit peu. Il me faudra attendre encore des années pour fixer les images sur la pellicule. Sur ce, c'est les vacances. Après les plantations de betteraves, de choux, comme chaque année où il nous faut donner la main, puis les moissons. Mais cette année, c'est moi qui conduis le tracteur, où l'on a adapté la moissonneuse-lieuse de l'arrière-grand-père Jean-Baptiste Monod. Mais avec 1,20 m de coupe, c'est vous dire s'il va falloir faire des tours. Et voilà. Le temps des vacances est arrivé, mais ce n'est plus Francis, Jean et les autres. Ils sont devenus grands, partis en apprentissage ou au travail. Mais l'arrivée de nouveaux voisins, la famille Gerson, prêt au plénide, va passionner mes nombreux séjours chez ma mamie, avec Jean-Yves, Christian, Pascal, Catherine, Titis. La mare du village regorge de carpes, tanches, gardons. Claude, le nouveau voisin, va me donner la passion de la pêche. Matin d'été où les rayons de soleil dansent sur la brume du miroir des étangs, où je guette l'endroit propice de la carpe qui fouille les vases et indique l'endroit où je pose le bouchon de ma ligne. L'aurore de lueur pourpre nous présage une journée de forte chaleur. Le tracteur tout saute, puis change de régime. Un coup de klaxon. Et doucement, le ronronnement de la batteuse monte en puissance. Le village résonne à présent. C'est comme un air de fête pour nous les enfants, encore un peu endormis. Je me rappelle d'avoir battu chez Gabro une fois, il mêlait, mais il faisait pour jour. Les phares du tracteur étaient allumés. Alors il y avait une espèce de concurrence entre la machine à Moreau de la Ferrière et puis celle-là. C'était auquel qui commencerait le premier, mais qui marcherait le mieux. Oui, mais ça encore. Entre le syndicat et puis l'entrepreneur, dessus les mailles, j'avais peut-être en partie de monter 6 dessus. Ou à la Bertrandière, là, de monter 8. C'était des grandes maillons longues. Et à des fois, il fallait passer un herbier, deux dessus l'autre. Journée et battage, pour que ça fasse 28 jours. 28 à 31. Vous avez commencé au premier rang?
Moi, j'ai vu le battre le 28 juillet à la, au Chaï. Ah oui. Oui, puis on finissait dans le mois de septembre. Messieurs Paillet, c'était pareil, ce sont les 40 bonhommes pour la machine. Alors c'est les Paillet, mais il faut les pousser la paille, ils étaient poussés à deux. Oui. Au village du Plénit, c'est plusieurs cours de battage, chez la famille Chaigne, Guérin et Papy Monroe. Mais tous ne battent pas avec le même groupement. Pourtant, l'ambiance est la même, de ces grandes journées sous le soleil, dans la poussière collante à la transpiration, irritant la gorge des travailleurs. Et nous, les drôles, c'est de porter à boire sur la maille ou le paillet pour désaltérer les gars de la batterie. Les femmes ont préparé depuis plusieurs jours ces repas gargantuesques. 40 bonshommes à nourrir matin, midi et soir. On a invité pour l'occasion les cousines, les voisines, adolescentes, pour dresser la table et faire le service. Leur présence agrémente ces journées en ce lieu de rencontre où, parfois, une idylle amoureuse peut naître entre jeunes et qui sait. La journée se termine. La batteuse atténue son ronronnement. Les oreilles retrouvent la douceur du silence. Puis on se lave à grandes eaux dans les bassines mises à disposition. Et déjà, les plaisanteries vont bon train avant de passer à table. En entrée, le traditionnel mijé. Du pain mietté dans de l'eau, pas trop. Du sucre et du vin. Cela va faire glisser la poussière du fond de la gorge et donner de l'assurance aux plus timides. Soirée de ripaille bien arrosée où le patron, content de sa récolte, sort ses bonnes bouteilles et sa meilleure nourriture. Joyeuse ambiance, festive, où l'on raconte des histoires. Même Ernest Journeau, notre vagabond local, invité à ce repas, va nous chanter « Viens poupoule, viens poupoule, viens ». Mais le plus attendu, c'est de faire chanter les servantes avec les derniers tubes à la mode. C'est le cœur serré que je vois partir la batteuse du village. Comme si l'histoire était finie. Bientôt, déjà septembre, et j'ai quitté l'école de la Pérate pour Saint-Jean, à Parthenay. L'automne nous apporte ses couleurs avec ses derniers fruits de fin d'été accrochés aux branches pour la tarte du dimanche ou la mise en fermentation. Dans nos palisses de Gâtine, un grand nombre d'arbres fruitiers de différentes espèces, poires, pommes, couteaux ou à cuire. Mais aussi les poirions mélangés aux autres fruits de moyenne qualité ou tombés à terre pour les jus. Déjà, M. Boulin de Lemoy sillonne la commune avec son moulin pour presser les pommes et mettre ses jus en barrique pour le cidre. Au printemps, direction le chalet à côté de la rivière de la Garenne pour retrouver Pitot de la Pérate avec son alambic.
Top. Mets-le, je rapproche. Vous voyez les par contre. Retrouvailles du distillateur et de ses bouilleurs de cru entre voisins, suivies de quelques rasades de préparation personnelle accompagnées de cochonailles, et la matinée est bien vite avancée. Mais le temps presse, le travail des champs n'attend pas, et chaque endroit de la ferme réclame la présence du paysan. Albert et Henri à la Garenne, comme Robert à la Ferronne et bon nombre d'autres, ont plus que doublé leur nombre de brebis sur leur exploitation. Paysans s'adaptent rapidement aux nouvelles techniques, assistées par l'Institut National de Recherche Agronomique, et cela depuis 1946 déjà. Les années qui vont suivre bouleversent l'agriculture de Gâtine. Les machines agricoles transforment les méthodes de travail, l'emploi d'engrais de synthèse sur les terres conduisent à une hausse importante de la productivité et une augmentation sans précédent des rendements. Je me retrouve avec bonheur une fois encore au Plénitre. Les copains pour les parties de pêche dans la mare, et c'est auquel qui sortirait la plus grosse des carpes. Les intervilles au bout du chemin, et les jours où le temps n'est pas clément, c'est chez ma mamie dans le Kajibi, sous l'escalier, que les 7 gamins du village se retrouvent derrière le projecteur de Cinébana. Dans les aventures de Dagobert Facteur ou Cloupe sans plongée. Mi-septembre, retour vers la Ferronne. Le panier à beurre sur le porte-bagages du vélo rempli de souvenirs de l'été. C'est la gorge serrée que j'avance tristement sur le chemin. Fini les jeux, les copains. L'an prochain, j'aurai 14 ans. Et il n'y aura plus de vacances. Un an plus tard, mon père de déclarer ce dernier soir d'école. On t'a élevé jusqu'à maintenant. À présent, tu vas travailler avec nous sur la ferme jusqu'à tes 21 ans. Le soir même, c'est moi qui laboure pour la plantation des betteraves dans les grandes brombes. Plus de 3 hectares de joutes, comme on dit, qu'il va falloir effeuiller, puis engranger à l'automne pour le cheptel qui ne cesse de grossir. Et de plus, il nous faudra compter sans Joseph, qui nous quitte après de nombreuses années de loyaux et bons services auprès de la famille. Mon père s'inquiète. Je tente de le rassurer. Ça va le faire, on va y arriver. Mais à quel prix ? Je ne me rends pas très bien compte. Quand les feuilles de betteraves sont terminées, c'est la charrette de choux chaque matin. L'après-midi, c'est les topinambours. C'est jamais fini. Du lundi au dimanche, il y a toujours du travail. Parfois, les souvenirs m'envahissent et me rendent triste, révolté même, quand du champ de la faucherie, j'aperçois le village de mon enfance. Le paysage est lui aussi bouleversé. La mécanisation nécessite une réorganisation des terroirs. C'est le remembrement,
les haies sont abattues et les parcelles regroupées et agrandies. La Féronne du passé se retrouve en un été défiguré. Adieu, chemin creux, palisse et fourré de ronces. On ne verra plus le grand cormier, les futaies centenaires, à l'ombre desquelles les animaux se reposaient l'été. Souvenir déjà lointain des niches de mon enfance, où je construisais des cabanes dans la palisse pour jouer avec ma cousine. À la Garenne, Albert et Marie se préparent à céder la ferme à Henri et Jeanne, qui depuis leur mariage triment sous l'autorité du grand-père. Mais pour l'instant, c'est au mariage de Jean-Claude, avec Monique, qu'il faut penser. Voilà encore une belle occasion de retrouver toute la famille. Et c'est là que je m'aperçois que les cousins grandissent. Daniel, Lydie, Francis, Marilyn, Christine, Gilles, ma sœur Chantal et Jean-Claude. La France veut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et tout va très vite. Trop vite peut-être. Jamais dans l'histoire du pays on a connu une telle progression de croissance, une véritable révolution sur les exploitations. Mais dans le même temps, les bouleversements sociaux sont importants, les contestations nombreuses. De Gaulle, des sous ! L'inflation va galopante, la jeunesse grogne, Antoine chante les élucubrations avec ses cheveux longs. Le mouvement hippie se fait entendre dans les grandes capitales, les rassemblements de la jeunesse dénoncent les contraintes sous l'autorité des pouvoirs, le manque de liberté, la guerre au Vietnam. 1er mai 1968, je m'accorde une journée de pêche au Plénit avec l'oncle Michel, qui a repris la ferme avec André. Paul et Marie sont en retraite, papy au jardin et aux petites tâches quotidiennes. Mamie en cuisine, mais surtout, ma mamie chérie, ma confidente, toi qui as confiance en moi pour faire de grandes et belles choses. Tu me donnes la volonté, le courage, la loyauté pour avancer, aller toujours plus haut, plus loin. Merci mamie, je t'aime. Et ce midi, tu nous régales avec ton lapin à la moutarde. Quelques jours plus tard, le joli mois de mai se transforme en mai 68. Les étudiants occupent les universités, les usines débraillent, les ouvriers cessent le travail, le peuple est dans la rue. Le rationnement, le manque de carburant, la France est paralysée. Les barricades se dressent à Paris et les affrontements avec les autorités policières sont légion dans toute l'île. Le 25 et 26 mai, les accords de Grenelle avec le gouvernement, les syndicats et les organisations patronales proposent entre autres une augmentation de 35% du SMIC. C'est la chienlit, déclare le général de Gaulle. Tout est foutu, Massu. Le 29 mai, de Gaulle quitte le pays en secret pour se rendre à Baden-Baden pour consulter les forces armées du général Massu qui va le rassurer. Le 30 mai, après le Conseil des ministres, le général de Gaulle prononce une allocution à la radio où il annonce son maintien à la tête de l'État. En fin d'après-midi, une foule de plus de 500 000 personnes défile sur les Champs-Élysées pour soutenir le général. Les élections législatives de fin juin donnent une forte majorité à la droite. Il faut maintenant compter avec ce bouleversement où le monde ne sera plus jamais comme avant. À la Féronne, c'est le grand chambardement. Le propriétaire, Jacques Aubrin et mon père s'entendent bien. Chacun va de l'avant.
Les nouvelles méthodes de travail avec l'augmentation du cheptel font que les bâtiments d'élevage sont à bout de souffle. Jacques propose alors à mon père de s'engager dans des investissements importants pour la construction de nouveaux bâtiments d'exploitation modernes. La proposition est acceptée avec enthousiasme. La France encourage son agriculture pour arriver à son autosuffisance. Et avec l'aide de subventions, les fermes se modernisent. La Féronne devient l'une des premières fermes modèles du département. Il n'y a plus qu'à tourner l'interrupteur et le fumier sort automatiquement de l'étable. La traite se fait à la machine et les bêtes n'iront plus boire à la mare. Évidemment, cela suscite la curiosité d'un grand nombre de visiteurs. Au mois d'août 68, comme chaque année, arrivent l'ébattage. Et c'est moi, cette année, qui vais donner les 6 journées de travail. Quelle chance de participer à ces tournées dans les fermes de la commune. Et je pourrais dire plus tard, j'y étais. Albert et Marie ont acheté une maison à Pompère pour leur retraite après 65 ans de travail acharné sur les terres de la Garenne. Albert est moins soucieux et il prend plus le temps de vivre, le temps de communiquer différemment. Avec ses enfants et ses petits-enfants, un papy que nous redécouvrons avec tendresse et fierté. Mais en ce mois de septembre, c'est le mariage de la petite dernière. Michel, qui sortit de l'école à 14 ans, était venu travailler sur la ferme avec Henri et Jeannette pour ensuite se retrouver à l'usine Panzani à Parthenay avant de rencontrer Gaston Bernard de Saint-Eumain-le-Clou. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Le général de Gaulle avait annoncé la tenue d'un référendum en mai 68 sur la rénovation universitaire, sociale et économique qu'appelait selon lui la crise de mai 68. Après avoir été plusieurs fois reporté, le référendum est fixé au 27 avril 1969 sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Le non est majoritaire à plus de 52%. Le 28 avril, le président de la République cesse d'exercer ses fonctions. Le président Charles de Gaulle et son épouse se retirent en Irlande quelque temps. Georges Pompidou, qui avait fait savoir dès janvier 1969 son intérêt pour l'Élysée, est élu président face à Alain Poher le 15 juin de cette même année. Une fois encore, la Féronne bouleverse son image, enfouissant à jamais le passé. À présent, tout va vite et rien ne paraît plus impossible. Le 16 juillet 1969, les regards des hommes sont fixés sur leur télévision pour une autre destination.
lundi 21 juillet. C'est un moment de très grande émotion ressenti par des centaines de millions de terriens. Quand Neil Armstrong saute de son échelle pour fouler le sol lunaire et de déclarer « C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. » Le rêve du 25 mai 1961 du président John Fitzgerald Kennedy vient de se réaliser. L'homme marche sur la Lune. Il est suivi par Buzz Aldrin et Neil Armstrong de lire un texte à haute voix. Ici, des hommes de la planète Terre ont pris pied pour la première fois sur la Lune. Juillet 1969 après Jésus-Christ. Nous sommes venus dans un esprit pacifique au nom de toute l'humanité. Été 69. Les tracteurs ont été remplacés depuis quelques années. Les quatre familles Jolin avec la famille Ferjou et Delion de la Peyrade ont formé un groupement pour l'achat d'une moissonneuse. Chacun se donne la main et l'entraide fonctionne à merveille. Les rendements sont supérieurs aux années précédentes. Les grains sont en totalité récoltés. Plus de cîteaux dans les champs. Fini les charrettes de gerbes sur les chemins. Adieu les grands gerbiers qui coiffaient les cours de ferme. Mais c'est aussi la fin des rencontres, au cours de ces grandes journées festives d'ébattage de fin d'été. En 69, après, au Burlap, il n'y avait plus que 4 ou 5 jours. Puis après, il y en avait pas mal, des petites banderies là, mais là non plus, là, les gens pour ramasser, puis aux entasser, faire des gerbiers, puis tout. Je pense qu'ils étaient plus intéressés de prendre une moissonneuse. Ouais. C'est la fin du syndicat de battage de la Peyrade. Les années suivantes, le groupement acquiert une nouvelle moissonneuse, avec sa trémie, et toujours sa botteleuse, qui ne va pas tarder à disparaître avec les presses à moyenne densité.
Obélégo, marché de Parthenay, on était rendu dans les années 68-69, on allait passer la nuit d'abord pour mettre des briques. Tellement il y en avait. Mais seulement, c'était pareil. Il me rappelle, on en livrait à Lille, on en livrait à Salon-de-Provence. On partait 100 wagons semaine de briques de la gare de Parthenay. Moi, je me souviens de l'époque quand le marché vers 10h30, 11h, peut-être même un peu plus, toutes les bêtes partaient d'un coup vers la gare. C'était assez impressionnant dans la ville. Au village du Plénitre, il y a encore Pierrette et Paul pour la collecte du lait, sous le regard intéressé des enfants. Monsieur Delette fait chaque jour la tournée des fermes de la commune pour la laiterie de la Viette. Mais cela ressemble au dernier cliché du passage du laitier. Bon, le temps va trop vite. Vous vous souvenez de la naissance de Monique à la Garenne, la fille de Louisette et Raymond, la petite Kikette, la complice de Jean-Michel. Eh bien, aujourd'hui, c'est le grand jour. Elle se marie avec Bernard Tendron, fils de paysan et agriculteur lui-même. Comme quoi. Dans le même temps, les technologies progressent à grands pas. La faucheuse est remplacée par la rotative et la botteleuse par la presse. Toujours plus et plus vite, avec moins de main-d'œuvre. Le foin n'a pas encore rejeté toute son humidité, alors on place les bottes debout dans le sens de la tuile. Quelques jours plus tard, c'est un suprême effort physique pour soulever à bout de fourche les 15 à 20 kilos que font encore ces bottes de foin. Le temps se fait incertain. La chaleur moite de cette fin de journée ne présage rien de bon. Alors c'est la course pour rentrer ses bottes et peut-être aurons-nous le temps d'engranger le foin avant l'orage. La pluie profite aux plantations, et même si le paysan est rarement satisfait du temps qu'il fait, il faut bien faire avec. Le ciel bleu revient, et la course reprend. Il n'y a pas de temps à perdre pour finir au plus vite les foins. Le marché aux bestiaux de Parthenay quitte le centre-ville pour emménager sur le site de Bellevue. Chaque mercredi, entre 2800 et 3200 bovins et 3000 ovins y sont vendus. We'll be right back.
La moissonneuse a été transformée cet hiver. On a retiré la botteleuse. Cela forcera bien sûr moins la machine. Mais surtout, la presse à moyenne densité nous facilite l'engrangement de ces bottes de paille. La batteuse a disparu des cours de ferme. Il en est fini d'entendre son bruit mélodieux résonner de la Gauve au Marclin, puis le Chiron, la Comaillère, la Faucherie, la Popotière, le Retors, de ces fermes environnantes de la Garenne et la Véronne. Souvenir aujourd'hui d'un autre temps à jamais disparu de notre environnement. Les saisons défilent, la terre a ses exigences, semer, planter, récolter. L'hiver, c'est l'entretien des paysages, la consolidation des ouvrages, et cela n'a pas beaucoup changé depuis la nuit des temps. L'élevage demande beaucoup. À lui, la patience, l'observation, la passion. La terre est attachante, voir pousser ses végétaux, cultiver ses surfaces, amender ses prairies entre bois et collines. Admiratif de ces immensités et des horizons de Gâtine, là où j'aime à me retrouver dans ces souvenirs lointains, imaginer l'histoire de ces lieux, où je retrouve l'acharnement des anciens, la passion de nos aïeux. Nombreux ils étaient, en ce temps-là, à se soutenir, s'encourager les uns aux autres, dans ces bouleversements qu'ils ont apportés à nos paysages. La solitude vous assomme quand l'hiver n'en finit pas. Les intempéries, le froid, un printemps accouchant dans la douleur d'un hiver sans fin, finissent par avoir raison de moi. L'herbe est toujours plus verte sur la prairie d'à côté. Et pourtant, quitter la campagne pour l'expérience de la ville, c'est pas la joie. Mais l'éloignement, le manque de communication avec les autres, les rencontres de la vie me paraissent impossibles ici. Alors je pars. Triste et confiant à la fois, l'aventure de la vie me pousse vers d'autres horizons, tout en restant attaché à ma Gâtine. Il faut que jeunesse se passe, comme on dit. Les bals du samedi soir, les rencontres du dimanche, parfois même très arrosées, les blagues, les rigolades, les copains qui sont des frères où l'on partage nos états d'âme, notre solitude. L'insouciance, la fureur de vivre où tout nous paraît possible. Nous surfons sur l'après 68, la libération de ces années nous propulse vers des idées nouvelles. Et c'est là, au travers de bien des péripéties, des idées échangées, que l'on rencontre la copine, l'ami, qui devient la fiancée, la femme de votre vie. Depuis l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, fin mai 1974, qui a succédé à Georges Pompidou, décédé le 2 avril de cette même année, la majorité est passée à 18 ans.
et c'est Corinne qui sera la première au village à bénéficier de cette application de loi. Depuis 1973, le pétrole ne cesse de grimper. Et bien des choses sont remises en question. L'inflation va toujours grandissante. Les chocs pétroliers successifs vont détruire beaucoup d'emplois. 1976, un printemps chaud et très sec s'installe sur le pays. Les déficits pluviométriques ont débuté dès le début de l'automne 1975. La cause, c'est l'anticyclone des Açores combiné à celui de Sibérie qui empêche l'entrée des perturbations atlantiques sur notre pays. On n'a jamais observé de premier semestre aussi sec. Cette année, le 7 juin, lundi de Pentecôte, la cavalcade de Parthenay se déroule sous un soleil de plomb et une chaleur caniculaire. L'été 76 restera gravé dans la mémoire des Français, en raison de ses importantes conséquences économiques et sociales, notamment dans le domaine agricole pour les cultures fruitières, légumières et la production fourragère. Giscard d'Estaing formule alors la création de l'impôt sécheresse, ce qui va faire de nombreux mécontents. Après 9 mois de grande sécheresse, début septembre, enfin la pluie. Et l'eau tombe sans discontinuer sur un sol trop sec, croûté, devenu imperméable. Et cela va être la cause de graves inondations. Les rivières débordent et les marais sont inondés. Les années défilent. Vous vous souvenez du mariage d'Albert et Marie à la Garenne? Eh bien, nous voilà 50 ans plus tard, et c'est en grande cérémonie que toute la famille se retrouve, les frères, les sœurs, enfin, ceux qui sont encore là. Mais aussi les 8 enfants avec leurs conjoints, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Le temps est venu de remémorer cette grande famille. Certains sont restés paysans, d'autres sont partis travailler à la ville, comme nous avons pu le voir au travers de cette histoire. Aujourd'hui, c'est la joie de voir cette réussite, une fierté, un hommage bien mérité pour Marie et Albert, nos grands-parents. Thank you.
Le travail de la terre donne aux paysans une conscience d'un temps très lié au temps long. Tous les ans, au même moment, au même endroit. La connaissance intime du champ où les mêmes gestes sont accomplis. Perpétuel recommencement depuis plusieurs générations de ses aïeux qui avaient fait la même chose avant lui, avec des outils différents, certes. Mais le rythme des saisons, les événements climatiques imprévisibles restent le lot quotidien au cœur d'une société qui a tout fait pour se débarrasser de ses aléas naturels. L'agriculteur continue d'évoluer dans un monde d'incertitudes avec lequel il doit composer. L'autosuffisance de la France a été atteinte en moins de 10 ans. La superproduction fait chuter les prix. On brade pour écouler les surplus de céréales, de lait, avec de coûteuses subventions pour l'exportation. Très vite, il faut abandonner l'idée du développement quantitatif, de la production agricole comme unique salut. Petit à petit, on s'oriente vers la reconnaissance d'un monde de production garantissant la qualité des produits agricoles, le respect de l'environnement et l'entretien de l'espace rural. À La Ferronne, Robert et Paulette vont marier leur fille, Chantal, avec Christian, fils de paysan et d'agriculteur lui-même sur la commune. Et en ce début d'avril 78, la place de la Croix-aux-Anières est remplie de voitures. Il y a la famille Jolin, Monroe, Rouvreau, Falour, les copains, les amis et j'en passe. Après la mairie, où l'on a dit oui pour le meilleur et pour le pire. Direction l'église, où l'on vous demande le certificat de la République. Tout est conforme. On peut entrer pour la cérémonie et la bénédiction nuptiale. C'est l'un des plus beaux jours de la vie pour les mariés. Alors, laissons-nous aller en cortège sur la voie principale du village de la Pérate pour rejoindre la salle de réception de la commune. Sous la douceur printanière, les invités déambulent en cacophonie, mais cela facilite les rencontres, les échanges, les retrouvailles, le plaisir de se revoir pour les mariages. Cérémonie, cérémonie, on vient de marier la petite fille. Les premiers petits-enfants sont arrivés, Rodolphe, Johan. Et voilà déjà 50 ans que Paul et Marie du Plénit ont dit oui. Souvenez-vous, et si on se mariait ? À ce moment, on était quand même pris parce que là, il n'y avait plus grand monde à la ferme, mais... Tous les jours, tous les jours fériés, il n'y avait pas de jours fériés, il n'y avait rien. Il fallait faire la traite matin et soir, il n'y avait rien à faire. Alors quand 79, quand la vache allaitante est venue, parce que là, on nous a libérés. Il y avait tous nos dimanches, le dimanche matin c'était plus pareil, il n'y avait plus rien. Il y a une liberté qui arrivait là. On a tout mis les veaux sur les vaches, ah ben là on l'a changé. Mais remarque, la production de viande, après, a augmenté pas mal.
parce que on en élevait beaucoup plus. Le résultat des élections présidentielles du 10 mai 1980 change la couleur politique. La France devient rose avec François Mitterrand. Tous les espoirs sont dans l'air. De grands bouleversements sociaux vont voir le jour. Augmentation du SMIC, semaine de 39 heures, cinquième semaine de congés payés, revalorisation des allocations familiales, abolition de la peine de mort. Mais les chocs pétroliers successifs, l'inflation, le chômage, les années qui suivent ne sont pas si roses. La rigueur s'impose. Après deux septennats, avec deux cohabitations gauche-droite, le panorama économique, social, politique et culturel du pays a été totalement bouleversé. Le 7 mai 1995, c'est Jacques Chirac qui devient président de la République. C'est avec le monde paysan qu'il a cultivé son lien et sa proximité avec les Français. Les paysans sont plutôt contents. Enfin, un homme de la terre. Les modes de production changent constamment. On s'adapte, on modernise. Les changements ne semblent plus avoir de limites. Cela est maintenant rentré dans le mode de fonctionnement des agriculteurs. Le matériel est toujours plus performant et les investissements pousse à toujours plus de productivité. Robert, tant qu'à lui, limite ses investissements, ne sachant pas qui va reprendre la ferme dans quelques années. Et si les grands chênes pouvaient se souvenir de ces instants? Et pourquoi pas nous raconter leur histoire, implantée là au milieu du pré depuis tellement d'années? Mais pour l'instant, attardons-nous un dimanche à la campagne, sous les grands futaies de la prairie. Réunir la grande famille des frères, des sœurs, cousins, cousines, arrière-petits-cousins pour ce pique-nique géant qui sera l'un des derniers, où l'on retrouve les personnages de cette histoire, enfin, ceux qui sont toujours présents. Et il y a aussi les petits-enfants, qui sont la continuité de la famille, les personnages et l'avenir de la nouvelle histoire du futur vers l'an 2000 et au-delà. Robert et Paulette pensent à la retraite et de se retirer dans leur maison au bourg de la Pérate. Après 36 ans de travail sur les terres de la Féronne, Robert est heureux de laisser la ferme à son neveu Jean-Claude et Jeannine. Le fils de Jean Gaillard et Denise. Thank you.
quoi à leur dire, à tes petits-enfants dans... Je sais pas, moi, dans... C'est difficile, puisqu'on est pour la suite. Eux le vont retrouver dans de, toute la, la nouvelle méthode de, d'Internet et tout le... Alors que nous, moi, je suis complètement illettré là-dessus. Alors que mes deux grands-pères, dans le fond, étaient illettrés. Hein. Ben, on a toujours eu des traits d'une époque. Mais moi, je suis autant illettré que on nous semblait à vie pendant un moment qu'on était supérieur à eux, mais c'est pas vrai. Le progrès progresse toujours. Maintenant, on disait toujours, la machine, on va bien s'arrêter, c'est pas vrai. Il y a une bonne boule pour ça, mais bon, moi, il me plaint pas trop de ma vie. Maintenant, il y a déjà 57 ans qu'ils sont ensemble, alors, tu sais. Bon, ça peut encore continuer pendant l'examen, il y aura, mais enfin bon. Mais alors, les petits-enfants, quand on est petits-enfants, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Ça, on est déjà bien, il y en a déjà trois. Ils étaient déjà heureux. Sur la commune de la Pérate, il y a toujours quatre fermes. Jolin, Gaillard, issus de la lointaine famille Robert, et cela depuis plus d'un siècle aujourd'hui. À Saint-Jacques-des-Rivières, c'est Jean-Pierre qui va reprendre la ferme de son père, Maurice et Nicole. À la fois, c'est Jean-Luc qui reprend la suite de Pierre et Odette, avec cette passion de sélection de la race partenaise, transmise depuis l'arrière-grand-père François Robert. Et l'heure de gloire est arrivée. À la Garenne, c'est Patrice et Sylvie qui ont repris la suite d'Henri et Jeanne. Depuis le début de cette histoire en 1900, l'arbre généalogique n'a cessé de grandir. La famille est restée en grande majorité sur les terres de Gâtine, très attachée au terroir de notre beau Poitou. Bravo à toutes ces générations de paysans en Gâtine qui ont traversé le siècle. Attachés à cette terre, amoureux de ces lieux, soucieux de son environnement, sachez le garder encore longtemps sans le défigurer industriellement pour le transmettre à vos enfants. Il y avait un château. Il y a toujours le sapin. Et il y aura toujours des histoires. Toi, paysan en Gâtine et fier de l'être.